Salut les pilotes, on se retrouve dans Gran Turismo 7 pour une nouvelle course avec les Caribbean Racers. Et cette fois-ci, on était toujours avec la Peugeot RCZ, hein. C'était la soirée RCZ. Donc la dernière fois, on l'avait utilisée en Alsace et cette fois-ci, on va l'utiliser à Deep Forest Raceway. Bon alors cette fois-ci, pas d'insectes en vue, hein. Pour ceux qui ont la ref et qui ont vu mon replay de la course en Alsace, ils sauront de quoi je parle. Et donc j'ai pris tranquillement la pole position aux qualifications, mais non sans une petite résistance d'hydro quand même qui m'a pris le meilleur temps pendant genre un tour ou deux. Mais bon, j'ai récupéré la pole position après et donc je pars en première place pour cette course de 14 tours à Deep Forest Raceway. Vous l'aurez sûrement remarqué une fois de plus, donc pour cette course-ci non plus, Compact n'est pas là. Donc le plan, ça va clairement être de gérer correctement ma course et de garder la tête, hein, pendant les 14 tours qui vont composer cette course, on va dire. Et donc ça devrait aller, hein. Logiquement, je suis le pilote le plus rapide là, puisque je suis sorti en tête pendant les qualifications. Donc là, ça devrait aller. Donc, sauf imprévu, genre un insecte qui passerait dans la chambre. Voilà. Ou autre chose. Bon, bah, normalement, ça devrait aller. Donc, on se concentre, on se chope un bon rythme et on voit ce que ça donne. On est à la mi-course quand je commence à voir s'agiter des drapeaux bleus. Et c'est Infrasub qui a visiblement un problème, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il a croisé la route d'un insecte chez lui aussi, je sais pas. Ça devient ma hantise, hein. Ça m'a traumatisé, vous comprenez? Non pas que j'ai peur des insectes, mais ça m'a déconcentré et j'ai pas aimé. Enfin bref, 7ème tour, mi-course, j'ai réussi à creuser un petit écart de sécurité
avec hydro, mais rien de méchant, hein. Et non sans mal cet écart quand même. Bon, je reste régulier, je tourne en 1.27 depuis le début de la course. Au tour précédent, j'ai réussi à faire un petit 1.26 et c'est pas mal. Si je continue comme ça, ça devrait bien se passer. Fin du 8e tour, nouveau drapeau bleu, même drapeau jaune là, carrément. Je ne sais pas ce qui se passe avec un Frasub, on lui donne un tour supplémentaire, mais il a vraiment un souci, hein, et je pense pas que ce soit juste un insecte, il avait un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, souci de périphérique, autre, je ne sais pas, mais il avait un problème, ça c'est clair, il n'aurait pas été aussi lent sinon. On est au début du 10e tour et une fois de plus, le drapeau jaune est affiché et de sortie. Et c'est toujours un Frasub qui est garé sur le bas-côté. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais ça a l'air compliqué. Et ça a l'air d'être un problème qui dure, hein, tour après tour, parce que presque à chaque tour, bah, je le croise. Donc c'est dur. Hein. Donc vraiment, courage à lui, quoi. Un tour plus tard, le drapeau jaune est toujours déployé exactement au même endroit. Donc il a vraiment un gros problème. Bah voilà, c'est dommage. Ah, il se déplace tout de même. Bon, dans la réalité, ça aurait sûrement entraîné une voiture de sécurité. Mais bon, au moins il a bougé, donc c'est déjà pas mal. On entre dans le dernier tour. Bonne chose, je n'ai pas recroisé un Frasub, donc ça veut dire qu'il a pu repartir. Et c'est bien, voilà, je préfère quand même. Je ne suis pas là pour lui coller 4 tours en une seule course. C'est pas le but de l'opération. Donc, bah, c'est une course qui s'est passée assez tranquillement quand même. Bah oui, j'ai su garder à peu près le même rythme pendant toute la course. Je roulais en 1.27. Bon, j'ai bien fait 1.28 sur un détour, hein. Peut-être petite baisse de pression, mais voilà, 1.27, c'était mon temps, voilà, à pratiquement un dixième près. Bon, bref, c'est pas la question, mais c'était une très très belle course, très sympathique. Donc, j'ai pu mettre un petit peu de distance avec Hydro, même s'il n'est pas hyper loin à la fin de cette course. Il est à plus ou moins 5 secondes et c'est pas affiché lorsque je mets le replay. Vous connaissez déjà le dicton, hein. C'est un problème qui existe depuis Gran Turismo Sport, je ne sais pas pourquoi. Il n'affiche pas les écarts entre les pilotes au rediff. Pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais su pourquoi. C'est un délire qu'ils ont comme ça, on n'affiche pas les écarts. Enfin bref, on se dirige tranquillement vers la fin de la course. Donc, une petite pole position, c'est grave sympa. On va se quitter là-dessus, sur cette belle première place, alors qu'on rattrape un retardataire, mais on n'aura pas le temps de le doubler, hein. C'est d'ailleurs un Frasub, une fois de plus. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, on va se laisser là-dessus.
Je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Je vais laisser le lien en description de la vidéo. Je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, moi je vais vous dire ciao.